nécessaire et un tel bordel. Y'aurait pas choisi ces boulots. Tu vois. Qui, tu sais, moi, ça fait des années que c'est pareil. Et y'a tout qui part dans les impôts. Je vois vraiment déjà que tu as la dalle. Je crois qu'il me reste un petit bout de panne. Mais y'en a marre avec ça de boire que de l'eau. Oh yeah, y'a franchement quelque chose que je trouve pas normal. Pour passer à côté de ça, faut être à la masse. Tu sais ce qu'on va dire quand on finit le boulot. C'est la pero. C'est le moment de sortir les bières du frigo. Chips et le guacamole à la mexicano. C'est l'heure de te proposer un bon mojito. C'est l'apero. Et un chardonnay, lui un primitivo. Du whisky, du rhum, du gin et à tout schifo. Sinon y'a peut t'offrir un petit siro. Sante, 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 sante. Bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tout premièrement, je vais bien aussi. On va, désolé, je refais de la moisson. On se retrouve pour un épisode de la Terre Valaisanne. Alors, tout premièrement, c'est pour ça que j'ai choisi de la moisson. Comme ça, je peux vous parler pourquoi il n'y a pas eu de live en fin de semaine passée et puis d'épisode. Alors, on va déjà allumer là, on va se lancer et je vous explique tout ça. Hop, hop, on va remettre juste la TH comme ça. Je vais enlever ça, je vais enlever ça. Ok, après il y a toujours ce... AI véhicule, décidément, c'est toujours les problèmes. Ficher la trace. Bon. Écoutez, ça va être. On va s'en foutre. C'est pas ça. Donc, ça, je vais remettre. Hop. On va laisser comme ça. Redétecter le champ, hop. Et il va redétecter le champ et nous on va y aller, on va faire un peu de soja parce qu'il nous faut pour au niveau de l'argent. Bon, alors la semaine passée moi je voulais vous faire des lives avec mon équipe. Malheureusement il y a début de la semaine passée j'avais reçu des mails je vais mettre le régulateur. J'avais reçu des mails comme quoi de mes serveurs, comme quoi ils avaient été déplacés. Ce qui a fait, on a commencé à essayer de vous faire un live mercredi, et puis après c'était jeudi, puis vendredi. Or, une fois, j'ai pu rentrer sur mon serveur, sur la partie, et par contre, mes amis ne pouvaient pas rentrer sur le serveur. Donc, c'était un grave problème. Alors, j'ai envoyé un message à Verigem. Ils m'ont dit qu'il fallait détailler, donc on attend 2 heures de temps pour recevoir un message. Ensuite, on nous dit il faut détailler, donc 2 heures à attendre. Pour finir, soi-disant que j'ai eu des pertes de données au niveau de mes serveurs, donc il fallait réinitialiser. Mais ce qu'ils m'ont pas dit quand on réinitialise un serveur, c'est qu'on perd tout. Que ce soit sauvegarde de la partie, que ce soit tous les modes. Eh ben, on les perd. Bon, ça fait que j'ai tout perdu. Heureusement, on a des sauvegardes automatiques sur les serveurs. Mais bon, c'est pas tous les jours. Hein. Quoi, si c'est tous les jours, mais c'est une fois dans la journée. Donc, j'ai dû revenir en arrière. Il fallait chercher la date qu'il fallait revenir en arrière. Alors, bonne nouvelle, sur la partie de la promenade valaisanne avec mon équipe sur Offberman, j'ai retrouvé pratiquement tous mes modes, à part ceux que j'avais rajoutés au dernier moment, au milieu de semaine. Et j'ai retrouvé. Mais c'est très très long. Il faut savoir que j'ai 3 serveurs.
sur mes serveurs, ben, il y a environ une centaine de mods qu'il faut. Voilà. Donc, j'ai du tout revisité les serveurs, tout ça. On a retesté, ça n'allait pas de nouveau. Donc, c'était l'horreur. Et voilà la raison pourquoi je peux vous dire que quand on passe depuis mercredi passé, j'ai passé des heures et des heures toute l'après-midi. Le jeudi, c'était pratiquement toute la journée. Bon, bah, vendredi, bah, je pouvais pas toucher parce que vu que j'étais à l'hôpital pour ma rééducation. Ensuite, bah, le soir, on a essayé de revenir, ça n'allait pas de nouveau. Pour finir, bah, vous savez, au bout d'un moment, bah, ça énerve. Je peux vous dire que les messages de la colère du Valaisan, puis vous n'avez jamais vu un Valaisan en colère, je peux vous dire que Verigem a reçu des sacrés messages. Et ça fait que le samedi, ben, qu'est-ce que j'ai fait? On voulait repartir sur une autre partie qui sera la prochaine, qui va s'appeler, je peux vous dire le nom, Obervalitz. Ça, je vous expliquerai pourquoi ce nom, quand on commencera la partie. J'ai dû remettre des mods, tout ça, pour finir. Ben, vous savez, j'ai passé ma fin de semaine passée, plus le week-end à faire ça. Pour finir, ben, on n'a plus trop envie après d'aller, malheureusement pour vous, d'aller faire des épisodes parce que j'en avais un peu marre des journées entières, des heures entières à être sur ça. Donc j'avais plus tellement l'envie de faire des trucs avec Farming, quoi. Donc voilà la raison, je m'en excuse encore une fois à tout le monde, mais aujourd'hui, ben voilà, je vous fais un petit épisode tranquille. Alors c'est clair, c'est de nouveau de la moisson. Le prochain, ben, on ira chercher les palettes de carton. Et je vous annonce que cet après-midi, ben, je vais faire un live justement quand j'aurai fini de mettre, ben, j'ai encore des mods à mettre sur la nouvelle partie Obervalis. Je vais aller continuer à préparer parce qu'on avait préparé ça. Nico avait pu rentrer sur le serveur pour finir, ben, il a été shooté. Donc ça fait que je me suis retrouvé tout seul. Bart voulait venir, ben, il n'a pas pu rentrer. Donc ça fait qu'on était coincé. Puis quand j'ai voulu sortir, ben, pour voir si Bart ou Nico pouvaient rentrer, ben, c'est moi qui ne pouvais plus rentrer. Je vous dis, c'était vraiment le gros bordel. Et puis j'en avais vraiment marre ce week-end, quoi. Enfin bref, voilà, normalement j'espère, on n'a pas encore testé, hein. Alors on verra cet après-midi, je vais tester avant pour voir si j'arrive à rentrer. Je vais voir avec Cédric ou Alain s'il est là, parce que Bart et Nico sont pas là. On va voir ça, si on peut rentrer, si on n'a pas de bug. Hein, j'ai eu carrément des fois aussi des tracteurs enfoncés dans le sol à cause de ça. Je sais pas. Enfin bref, voilà, je m'en excuse encore une fois. Bon, ben on est parti, là il faut faire de l'argent. Le rendement est pas des plus terribles. J'en suis au deuxième tour là. Alors pourquoi ce AI ne veut pas se partir? Je sais pas. J'ai pas mis l'ouvrier normalement. Voilà. Donc ce qu'on pourrait faire à la limite, je pourrais mettre l'ouvrier. Et puis nous, on irait chercher un tracteur avec la remorque pour chercher les cartons. Ouais, ça serait pas mal ça. On va faire comme ça. Hop, ok. Tac, tac. Il est rectangulaire. On va lui dire de tourner tour de tour. Et on va lui dire de partir. Comme ça, c'est bon. On viendra le vider quand il sera plein. De toute façon, il va m'indiquer. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai ici comme tracteur? Je ne veux pas prendre celui-là. Il faudra aussi qu'on fera dans un épisode qu'on ira faire des pellets pour donner aux vaches. Alors, est-ce que j'ai mon petit masset qui est là? Parce que là, j'ai une remorque. Mais j'ai pas de petit masset là. Il l'a passé où mon petit masset? Alors, il serait resté en bas. On va voir ça. Peut-être qu'il est coché ici. Non. Je sais plus où je mets mes tracteurs. C'est super. Là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, on va tirer. Ah, bah, c'est peut-être. Ah oui, je l'avais laissé au garage ici. Voilà.
Il est ici. Bon, il a la grosse masse derrière. Peut-être que je vais la laisser ici. Comme ça sera mieux. Voilà. Maintenant, est-ce que j'ai des fourches? Je ne sais pas si j'ai des fourches, donc on va aller voir. Fourche à palette. De toute façon, peut-être qu'on va les rechercher. Ah, mais j'avais le petit Lidl qui est là-bas. Ouais, mais il est au concessionnaire. Ouais, on va racheter. Ma foi, ça fera. On va aller là-bas. On va se mettre en vie intérieure. On va mettre les gyros. On va aller vite chercher ça. On va prendre une petite remorque aussi. De toute façon, je fais un petit épisode. C'était justement. J'aurais pu vous faire une vidéo, mais je vous dis, j'avais vraiment plus le goût de faire ça. Et puis il fallait avancer, c'est pour ça que cette semaine, bah, j'espère, mais j'espère hein, pour eux. Autrement, le Valaisan, il descend chez Verigem et puis Cassou. Bon, j'espère pour eux. J'ai vu que. J'ai Nico qui m'a dit qu'il avait vu qu'il y avait certains. Alors dites-le-moi dans les commentaires, ceux qui ont des serveurs Verigem, s'ils ont eu les soucis aussi. Là-bas, le portugais, il s'en sort bien, il me semble. Bon, là, j'ai de toute façon mon tracteur ici pour aller le vider si jamais. Oups. Alors, ma map, bah, pour tout vous dire, bah, voilà, ma map, j'ai pas fait beaucoup de mapping ces jours vu que je m'occupais de ça. Mais ce matin, avant l'épisode, là, ben, je me suis remis. J'avance, mais bon, comme j'ai dit, hein, ça prend du temps. Une bonne partie des routes sont faites maintenant. Maintenant, on va commencer à un peu attaquer la ville. Alors, on va prendre une ces remorques. J'espère que j'ai mis le mode, mais je suis pas sûr. Comme ça, les cartons, ben, on pourra déjà distribuer dans certaines fabriques qui a besoin de cartons. Et ouais, comme ça, on pourra mettre aussi en route, justement. Il faut que. Par contre, il faudrait que j'amène des planches. Il faudrait que j'aille voir si les planches. Il y en a une partie qui sont faites pour fabriquer des palettes, parce que j'ai besoin aussi de palettes. On va doubler ce connard-là. Je pense que ce qu'on va faire là aujourd'hui, ben, c'est un petit épisode tranquille. On va aller déjà chercher ça, puis on se quittera comme ça. On va vite aller chercher le remorque, puis on va prendre aussi un transpalette comme ça. J'aurai cette remorque. De toute façon, un peu plus ou un peu moins d'argent, je vais vendre le soja pour faire un peu plus, parce que là, je suis en négatif avant de recevoir un téléphone du banquier. Oui, alors le mapping, comme je dis, les routes commencent à être bien. La première partie des routes sont faites pour la première ville, parce que comme j'ai dit, hein, la mapping, pour vous dire un peu d'information, il y aura deux villes, deux vallées et beaucoup de fabrication, ça c'est clair, mais j'en suis pas là pour le moment. On va commencer à mettre un peu les maisons quand j'aurai fini la route qui va sur la vallée et puis l'autre route que je vais finir sûrement ce soir. Parce que finalement, bah, j'ai quand même encore l'envie de faire ça. Parce que je me répète, mais c'est vrai que alors là, ce week-end, puis fin de semaine, j'étais vraiment mais, dégoûté que j'avais même plus envie d'allumer le PC pour faire ça. Mais j'étais bien obligé de remettre tous les mods. Alors, là, j'ai eu de la chance, une des parties des mods, mais bon, vu que j'avais rajouté, j'ai dû prendre une date qui était antérieure, et puis donc il y avait tous les mods que j'avais rajoutés après. Qu'est-ce que c'est qu'elle là? Oh, c'est la grille. Alors, garage. Super, j'ai mis les remorques. Bah, si je prends celle-là, je vais faire 40 000 voyants, je pense. À la limite prendre celle-là, une deux essieux, bah, tout ça. Mais ça c'est une semi.
Qu'est-ce que je fais? Ouais, bah, je vais prendre celle-là. Tac, on va sélectionner la couleur. On va la garder noire. Configuration, on va garder ça. Couleur des jaunes, la même chose. Par contre, on va mettre ça. Strict structure. Ça doit être celle-là. Splinket, oui. Ouais. Non, je vais pas mettre. Si. Non, je sais pas. Allez, acheter. Ah, j'ai pas assez d'argent, je peux pas. Alors, est-ce que je peux la louer? Je peux pas la louer. Ah, bah super. D'accord. Vu que je suis en négatif, ils ne peuvent pas faire ça. Oh, je vais laisser le tracteur là. Je vais sauter dans la moissonneuse. Par contre, je vais peut-être couper ça. Voilà. Là, c'est des copeaux de bois. Puis normalement, est-ce que t'es... Il faut que... À moins que je vais faire l'emprunt à la banque. On va faire l'emprunt à la banque. Normalement, je dois pouvoir encore emprunter quelque chose. Est-ce que je peux emprunter? Oui, comme ça rembourse ça. On va pas trop emprunter. Allez, 60 000. Ok. Je pensais pas que je pouvais emprunter encore. Mais bon. Alors, on va revenir en arrière. Ah, j'ai encore... Là, c'est pas... Il en est... Oh, il est pas plein. Alors, on est là. On va acheter, comme j'ai dit, cette remorque là. Donc, tac, tac, personnalisé. Bon, je vais laisser comme ça. Structure, non. Acheter, oui. Ok. Et puis, il me faut des fourches. Alors, on va prendre ceux-là, hein, pas s'embêter. Voilà, comme ça on a tout. Je vais juste descendre pour voir si j'ai fait comme il faut la remorque. C'est nickel. Et on va se rendre. Allume-toi, on va se rendre au McDo. Et puis on. Bah ouais, bah, il faudra. Je pense que je veux pas faire une vidéo trop longue. Là, je vais continuer. À faire ça la moisson et on se retrouve justement après. Je vais juste charger ça, hop hop, voilà, on va accrocher la remorque, on va aller au McDo, on va essayer de vite, c'est que ça passe tellement vite quand on tourne une vidéo, voilà, hop. Le McDo, alors le McDo, je suis là. Où c'est que je suis? Je me vois pas sur la main. Ah, je suis là. Oh, ouais. Alors, le McDo, il est pas de la porte à côté. Faire gaffe aux connards qui passent comme je sais pas quoi, là. Alors, fabrique de fric, vignoble. On va repasser là-bas, on est obligé. Ça sera qu'un peu que du transport, hein. Un épisode pas vraiment intéressant parce que vu que j'ai choisi ça parce qu'il fallait que je vous explique pour le pourquoi. Mais bon, cette semaine il y aura un peu plus d'épisodes un peu plus intéressants. On va se mettre là. Voilà. Est-ce que je peux passer? Ici. Non, parce que là je vais partir dans l'autre sens. Non, bah, ma foi, désolé, il faut qu'on fasse de la route. La map est grande, hein. C'est clair que la map est grande. J'aurais pu presque me prendre cette map là pour faire mon mapping. Ça aurait été aussi pas mal. Mais je suis content de l'autre. Ça permet de bien m'entraîner au niveau des montagnes. Ah, la traînée arrive à 80%. Ok. Bah, je pense qu'on n'aura pas le temps de charger. On ira vider la traînée de l'ouvrier et on se quittera. Je pense. Bon, le McDo est pas si loin que ça. Il faut. C'est vrai qu'il y a de la route, hein. Alors j'espère que j'aurai fini de mettre les mods
pour la nouvelle série Aubert Valis. Alors non, pourquoi Aubert Valis? Ben voilà, ben, ma région, le Valais, on a le Bas-Valais, le Centre et le Haut-Valais. Et le Haut-Valais, ben, on parle pas français, on parle Aubert Valis. Nous, on les appelle les Cascaboulons, un peu comme les Suisses allemands. Mais voilà pourquoi on les appelle les Hauts-Valaisans, parce qu'Aubert Valis, ben, c'est Haut-Valaisan. Voilà pourquoi j'ai appelé ça. Donc là, le McDo, il y a le panneau, les panneaux traduits par mon petit Nico. Normalement, je dois passer par là-bas. Le McDo est juste là. Alors, il faudra que je fasse attention de pas choper la prune. Parce qu'à chaque fois, je me fais avoir au radar ici. Attention, c'est 30, je crois. C'est bon. Voilà, bah, finalement, on était vite. Ah, ils sont de côté. Ah, d'accord. Bon, bah écoutez, on va se mettre là. Mais avant, je vais la mettre en auto. Square Ball Good. On va mettre palette. HP Ball Palette. On va faire ça. On va détacher. Je peux enlever ça. On va essayer de prendre, on va charger, essayer de prendre d'autres palettes et puis on se quittera. Comme ça, on va en faire quelque chose d'intéressant pour une fois. Hop, ben c'est pas évident ici. Ça, je me demande si je vais pas ramener le petit Lidl Linde ici. Est-ce que j'arrive à prendre là, non? On est pas mal là. Oups. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ouais, c'est ce qu'il y a. On va la reposer. Il faut que je sois bien dedans vu que j'ai pas pris le poids. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je suis en train de lever. Hop, c'est le gros bordel. Mais bon, vous aimez bien les feuilles, c'est bien. On va la poser. Et je vais essayer de la prendre comme il faut là. Juste la pousser pour que j'ai de quoi reculer. Voilà, c'est des gros feuilles. Hein. C'est vrai qu'il y a un moment que j'ai pas refait ça. C'est pas là, c'est un petit peu plus là. Hop, on lève. Oh, allez, c'est vrai que j'ai plus l'habitude avec un télescope. Au moins mettre une palette sur l'armoire. Voilà. Allez, bon, il lève pas mal, ouais. Non, j'y arrive pas. Hein. Ça fait la danse du Valaisan, nous. Ah, peut-être là. Est-ce que j'arrive à tourner? Juste lever un peu pour tourner un peu. Non. Hop, encore lever. Juste limite. Hein. Ah, il faut que j'aille mettre un. Alors, est-ce qu'il me prend? Voilà, c'est nickel. C'est pas mal. Comme ça, je m'embête pas. Mais écoutez, on va couper ça. Je vais descendre et puis on va se dire au revoir. Alors, n'oubliez pas, bah, cet après-midi, je vais faire un live là, justement sur Aubert Valis. Je sais pas, je vais pas vous donner une heure parce que vu que je ne sais pas à quelle heure je vais commencer, si j'ai fini les modes et puis si, bien sûr, si ça fonctionne. Donc, on verra tout ça. Allez les amis, portez-vous bien. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis, bah, tout de bon. Allez, salut!